Après la Chambre des représentants, c'est au tour du Sénat américain de voter en faveur d'un programme d'aide de 95 milliards de dollars, et ce, à une écrasante majorité, 79 pour et 18 contre. L'enveloppe comprend des fonds pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Even as Moscow, Beijing and Tehran grew more convinced that our influence had run its course, and even as loud voices here at home insisted on abandoning the responsibilities of leadership, America stepped up and the Senate held firm. Dans un message posté sur le réseau social X, le président Zelensky a remercié les États-Unis pour cette aide dont son pays a désespérément besoin. L'Ukraine bénéficiera de près de 61 milliards de dollars, mais une bonne partie de cette somme servira à reconstituer les stocks de l'armée américaine.